Que le ciel vous bénisse ce matin. Avec Dieu, nous avons de l'espérance. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors le thème dit ce matin, Maou, Dieu na ma djujo, le Dieu donne-moi le repos sur la terre des vivants. Thank you. God bless you. Alléluia. Amen. Mon nana pour rest. Que le Seigneur te donne du repos sur la terre des vivants. Que le Seigneur t'accorde ta paix sur la terre des vivants. Seul Dieu peut le faire. Alors confie-toi en lui. Il le fera à son temps convenable. Genèse. Genèse chapitre 2. Alors du premier verset au troisième verset. Yes. Nous lisons la version Louis II. Mm-hmm. Ainsi furent achevés les cieux et la terre et toute leur armée. Verset 2. Dieu acheva au septième jour son œuvre qu'il avait faite. Il se reposa au septième jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Verset 3. Dieu bénit le septième jour et il le sanctifia parce que en ce jour il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Amen. Bon, amen. Amen. Moi c'est pas Balegma, Tave, Chokukukba, Soi et Tolia. Yeah. Alewa wo ti fo pe anigba pe o menu gogbo awo kata nu enye si ya eye ma wo pe do si wo wo la nu le nkeke adre agbe eye wo jujo le nkeke adre agbe jo pe do si wo kata wo wo la me ya pipe toria eye ma wo yira nkeke adre ria eye wo ko ehunshi e la be na eya ti wo jujo edo kwile jo pe do wo wo si wo kata ma wo wo eye wo na wo do la me. Amen. Amen. Alors nous acclamons le Seigneur pour la première lecture biblique. Alors nous lisons dans Exode chapitre 20, le verset 8 à 11. Exode chapitre 20, le verset 8 à 11. Version Louis II toujours. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras six jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le septième jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Verset 11. Car en six jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer, et tout ce qui y est comme contenu. Et il s'est reposé le septième jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Amen. Amen. Moi, c'est Evelia, tabla ve, chokikwini, yivye de Kelia. Donc, kou tu jok beladji, nena we kokwe. Nkeke ade na wodo eye na wonu wodo okata kenkeke ade lia nye jujogbe na Yehowa wo mawula mega wodo ade kele eji o e danye wo nto vi wo nuchu alo vi wo nyonu o e danye wo dola nuchu wo dola nyonu wo la alo wo amajiro si je wo jumela o e la be na nkeke ade me Yehowa wo ji ple anigba achia pu ple nu si okata le eme. Eya wo jujo do kwile nkeke adre agbe eya ta Yehowa yira jujo gbe la eya wo wo kokwe. Amen. Blo amen. Amen. Dakwe ko kurele ga fois sipena maure bonyata. Nous acclamons le Seigneur pour sa parole. Bagba kokwe. Saint-Esprit. Kame asu.
Il est temps, il est l'heure. Va tonyame. Viens passer par ta parole. Viens accomplir ton œuvre. Alors selon la révélation. Tu connais ceux qui t'appartiennent. Alors afin que tu leur donnes le repos. Au nom de Jésus. Je m'humilie. Viens juste passer par moi en tant qu'instrument et donne la victoire à tes enfants. Donne la victoire à ton peuple pour ta seule gloire, pour ta seule gloire et honneur. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Dieu, donne-moi mon repos sur la terre des vivants. Dieu, donne-moi du repos sur la terre des vivants. Non, mais dans le Christ. Bien-aimé dans le Seigneur. Mais elle est na wodo. Il est important que tu travailles. Mais il est important que tu trouves du repos dans le travail. Le travail que tu accomplis et qui ne te donne pas du repos, alors te donnera l'amertume. Lorsque tu adores Dieu et tu ne trouves pas un moment de repos dans l'adoration, cela te donnera l'incrédulité. Alors les versets que nous venons de lire confirment après que Dieu ait fait toute chose. Il a tout terminé le septième jour. Il a tout terminé le septième jour. Le sixième jour, pardon. Et le septième jour. L'éternel Dieu. Dieu. S'est reposé le septième jour. Et il a vu que tout ce qu'il a fait est bon. Et il s'est reposé le septième jour. Nous sommes dans le septième mois. Je suis là pour t'annoncer. Selon l'oracle de l'Éternel. Selon la révélation. Selon la prophétie. Que dans ce septième mois, ceux qui sont ici et qui n'ont pas encore le repos, il n'y a pas la joie. Le sur le bain. Alors dans le foyer. Le domaine. Dans le travail. Le Lucien Lumé. Dans chaque domaine. Il s'efforce. Mais il n'y a pas le repos. Le Seigneur m'envoie te dire. Dans le septième mois. Il te donnera le repos. Dans le septième mois. Le Seigneur te donnera le repos. Le Seigneur te donnera le repos. Avant la fin de l'année, le Seigneur te donnera un jour. Tu l'appelleras un jour de repos. Tu l'appelleras un jour de repos. Tu l'appelleras un jour de repos. Au nom de Jésus, l'éternel Dieu qui t'a choisi et appelé, ne se taira point. Il te donnera le repos. Il te donnera le repos. Dans les activités professionnelles, dans les finances, le soin de père, au mariage, dans ta santé, le Seigneur te donnera le repos. Je déclare dans ta vie que ce mois ne terminera tu pas. Le repos dont tu as besoin. Le repos dont tu as besoin. Que le ciel délivre cela. Que le ciel délivre cela. Que le ciel délivre cela dans ta vie. Après que Dieu ait terminé la création du ciel et la terre, il s'est reposé.
oser. Je déclare dans ta vie. My God. Yes, nous Lord. Alors tout ce qui ne s'achève pas dans nous ta vie. Tout ce qui ne se termine pas dans ta vie. Si la chose ne se termine pas. Je ne peux jamais avoir du repos. Après que Dieu ait terminé cela. Il s'est reposé. Je déclare dans ta vie. Que les choses inachevées. Dans ce mois. Seront achevées. Que Dieu les achève. Que Dieu les termine. Que Dieu termine le combat. Le chômage. Que Dieu termine cela. Alors l'amertume. Les pleurs. Alors la stagnation. Le pression. Que le Seigneur termine cela. Que le Seigneur achève cela. Que le Seigneur termine cela. Je suis venu te dire. Il est l'heure. Que l'Éternel te donne le repos. Il est l'heure. Le Seigneur te donnera le repos. À partir de septembre jusqu'à la fin de l'année. Le Seigneur te donnera le repos. Tu seras en repos. Ton cœur sera en paix. Ce que le Seigneur te fera pour que ton cœur soit tranquille. S'accomplira cette année. Nous la déclamons nul. Si tu peux dire un bon amen. Bon, connais-nous avant maintenant. L'Éternel, le Saint Esprit. My God, Holy Ghost. My God. Li para kota liya kabaha. Ikoto liya kabala baya. Holy Ghost, take over. Spirit of God, take over. Li koto liya kabaya. Your time has come for your rest. 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 You 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 rest. Je déclare dans ta vie. Ma Bible déclare. Alors c'est un devoir. C'est une ordonnance. C'est un mandat. De travailler 6 jours. Et de te reposer le 7e jour. Parce que le Seigneur lui-même s'est reposé le 7e jour. Et le Seigneur a sanctifié le 7e jour. Ce mois. Le Seigneur a sanctifié le mois. Alors c'est le chiffre de Dieu. Je déclare. Si rien ne s'est produit pour toi depuis janvier jusqu'en juin. Du 7e jusqu'au 12e. Que le nombre de l'Éternel parle. Que le chiffre de Dieu parle. Que le chiffre de Dieu parle dans ta vie. Je déclare. Il y a 7 personnes. This is your message. This is your message. This is your message. C'est ta parole. Je te connais. Ton cœur est brisé. Le Seigneur te consolera. Le Seigneur te consolera. Et tu vas me dire,
ton cœur n'est pas tranquille. Holy Ghost take over right now. I'm a bogole hayama. Obejima jama. Il y a beaucoup qui sont dans l'assemblée. Ils ont le cœur apaisé. C'est parce qu'elles aiment Dieu. C'est parce que tu aimes Dieu. C'est pourquoi tu es venu encore ce matin à l'église. Mais tu sais que ton cœur n'est pas apaisé. Je déclare. La Bible déclare. Que ceux qui aiment l'éternel. Alors toutes les choses. Travaillent ensemble pour leur bien. Se déclare dans ce septembre. Que la gloire de Dieu te rend compte. Que l'éternel te console. Que le Seigneur te console. Reste la main de Bac Baba. Le Saint-Esprit active le repos. Elle est activée. Active. Tu joues le Bac Baba. Le repos dans ta vie. Tu joues le Bac Baba. Le repos. Elle est activée. Tu joues le Bac Baba. Dans ta vie. L'icotoli akaba. Holy Ghost take over now. Holy Ghost take over now. Holy Ghost take over now. Nya Bible na manyaba. La Bible déclare. Le Lukata manyaba. Luc chapitre 4. L'Esprit du Seigneur est avec moi. C'est pourquoi il m'a oint. Et il m'a donné une mission pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Si c'est la pauvreté qui t'empêche, qui t'empêche d'avoir le repos parmi tes jours sur la terre. Et le jour où tu mourras. Et on te dira repose en paix. Tu fais quoi? Et que cela te repasse. Je déclare. Alors s'il y a une paix ou bien une un repos après la mort, que le Seigneur le fasse dans cette vie. Que le Seigneur te donne le repos dans la vie. Sur la terre des vivants. Au nom de Jésus. Si c'est la pauvreté qui t'empêche d'avoir le repos, l'Esprit de Dieu te délivre de cela. Te délivre de cela. De cette pauvreté. Te délivre de cette pauvreté. Je te délivre de la pauvreté. Je te délivre de la pauvreté. Je te délivre de la pauvreté. Mais tu nous y avais. Dans ce mois. Mon Dieu. Ton William. Le Dieu de mon père William. Dieu Saint-Esprit. Alors qu'il m'a donné cette parole. Qui a prophétisé. Et il te connaît mieux que moi. Je déclare. Tu nous y as ma voix. Ce mois ne terminera pas. Que le Seigneur essuie tes larmes. Tu nous y as ma voix. Le mois ne terminera pas. Que le Seigneur, le Saint-Esprit, te délivre de l'amertume. Alors l'amertume est tellement pesante. Alors ce n'est pas l'insomnie, mais tu ne dors pas. C'est à cause du problème du fardeau. Alors tu passes des nuits blanches. La Bible n'a pas. Ma Bible déclare. Matthieu 11, verset 28. Matthieu, chapitre 11. Le verset 28. Approchez-vous de moi. Pour qui vous effacez. Et qui est fatigué. Ce mois, tout fardeau que tu as. Le Seigneur te décharge. Le Seigneur te décharge. Le Saint-Esprit te décharge. Le Saint-Esprit te décharge. Le Saint-Esprit te décharge. Le Saint-Esprit te décharge. Et il déchargera le fardeau de tes enfants, de ton époux, de ton épouse. Donne-moi le meilleur de tes amen. C'est pourquoi il y a un cantique qui dit.
Je ne mourrai pas avant de t'adorer. Ce n'est pas après ma mort que je te célébrerai. Ézéchiel a demandé. Alors Dieu a demandé à Ézéchiel. Ces eaux pourront-ils reprendre vie? Il dit, Seigneur, toi-même tu sais. Alors t'en viens dans la main de Dieu. Il te donnera le repos à coup sûr sur la terre d'animaux. Le Seigneur te donnera le repos. Ton cœur sera tranquille. Donne-moi le meilleur de tes amens. Donne-moi le meilleur de tes amens. Somme 30, verset 5. Le frère, verset 6. Et globera, avivara le chama. Kakalem dia, ase chochovana. Manekopa, je déclare. Dans ta vie, belle et tu que dans ce mois, ce sera ton mois. Tu as pleuré. Tu m'as dévahi. 6 mois. Alors c'est la nuit. Mais le 7e mois, c'est un beau jour qui se lève. Le bonjour s'est levé pour les autres. Où tu as essayé? Ils ont célébré. Alors tu les regardais et tu te demandais à quand mon tour. Mais avec la foi, avec le Saint-Esprit, je te dis, c'est ton heure. La nuit est passée pour toi. Il est temps que le jour paraisse. Il est temps que tu célèbres. L'allégresse viendra. L'allégresse arrive. L'allégresse arrive. Dans ce mois, dans le second semestre, tu célébreras. Tu auras la joie le jour jusque même dans la nuit. Je prospérerai. Je déclare sur la vie de ceux qui sont concernés par le message. Alors, de ce mois jusqu'à la fin de l'année, amen, que le bonheur et la grâce vous suivent. Que l'onction te délivre de l'amertume. Mantala katoliata ille kata 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 ya glory kataliata akirie aporie akirie aporie kara 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 we set you up my kara
we set you. My God, we set you. We set you. We set you. We set you. My Dieu, Papa, Yahwadota. Que le Seigneur te rétablisse. Yahwadota. Que le Seigneur te rétablisse. 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 Je déclare dans ta vie, il m'envoie pour guérir les cœurs brisés. Alors que ce soit du genre féminin ou masculin, toute personne qui a le cœur brisé, que l'onction te guérisse. Encore dans ce siècle. Psaume 27, verset 13 et 14. Salomon, au pas que les tables veulent vendre. Tu as pu bien ton yuwe nilia. N'ayez même pas sebe. Ma quoi yeho après nous yuwe le agbag de opani go di ofi. Ya. Pomona yehoa. Sem. Ayen alleji depo. Amen. Avec le Saint-Esprit, tu verras la bonté de l'Éternel sur la terre. Alors l'Éternel te conduira dans le bien. Ésaïe 63, verset 14. Ésaïe 63, le verset 14. Yeah. Kabalaba, my God. Jesus Christ. Jesus. Is that a part of the tablet? Then, what? Choki Pibe Nelia. Yeah. Yeho Ape Gbogbo, Bolawoyi. Yeah. Bodemepe. Yeho Ape Gbogbo, Eploide Bodemepe. L'Esprit du Seigneur les a conduits dans le repos. Abe Ale Silan Yabali Mehene. Ale Nekbulawo Jukola. Benade Nko Gando Kiwom. Bro, amekara. Amen. Bemauna de bubu, adoku nutia. Pour que le Seigneur se glorifie. Bemauna honuka unkoka, le pomiama, la siama, le tuama, le kuama, la meyo jesiokoa. Ah, gloire, godema ba. Pour que le Seigneur ait une grande renommée, que la gloire lui revienne, il te conduira dans le repos. Je déclare dans ta vie que dans ce mois, jusqu'à la fin de l'année, que le Seigneur te conduise dans le repos. Que le Seigneur conduise tes finances dans le repos. Donne-moi le meilleur. Dis ceci, Saint-Esprit. Donne-moi le repos. Un jour de joie arrive. Ne t'inquiète pas. Okay.
Thank you, Jesus. Where you now? Where you now? Jesus. Hallelujah. Vous êtes béni. Naï. Nous nous asseyons. Bible sur le bébé. Alors la Bible déclare. Et, et il s'est reposé le septième jour. De toutes les œuvres qu'il avait faites. Hallelujah. Amen. Ne m'y a pas tu joie. Pour avoir du repos. Alors j'ai énuméré beaucoup de choses ici, mais je te donnerai deux. Alors dans le repos, nous trouvons la paix. Alors nous trouvons également la joie. La joie. Alors, dans le repos, nous trouvons la paix et la joie. Alors, quand nous parlons du repos, nous parlons de la prospérité, nous parlons de la bénédiction, nous parlons du succès. Je déclare encore une fois dans ta vie que le Seigneur te donne le repos ou bien la paix. Psaume 37, verset 11. Psaume 37, le verset 11. Kaba. Les tablats. Salomon Fagman, les tablats, ton ventre. Ya. Que a medi yawo. Ani bala domé. Ani bala domé. Ame yo ke hia chua. Mau a we kaka. Alors ceux qui ont le cœur brisé, ceux qui sont dans l'amertume, le Seigneur leur donnera le pays en héritage. Amen. Que le Seigneur te donne une paix abondante. Esaïe 60, le verset 13 à 16. Ya. 15 à 16, autant pour 17. 15 à 17, autant pour moi. Je vais vous dire, que le Seigneur torne. Que le Seigneur t'embellisse. Tu as pleuré il y a longtemps. Que le Seigneur t'embellisse. Tu te nourriras. Amen. Dieu poussera d'autres personnes à prendre soin de toi. Que cela t'affecte. Au nom de Jésus, que le Saint-Esprit rende la parole accomplie dans ta vie. Amen. Le Seigneur te donnera le secours. Le Seigneur te donnera le secours à travers un chef. Le Seigneur te donnera le secours à travers une personne honorable. Que le secours paraisse pour toi. Jacob fait un secteur.
Je déclare. Alors, toute devise monétaire, que le Seigneur t'ouvre cette porte. Alors que le Seigneur donne la paix comme couronne. Amen. L'amertume, les douleurs et les pleurs ont régné sur toi il y a longtemps. Mais dans ce mois et dans cette année, que le Seigneur te donne la paix. Comme fire. Fire. Du genre. Le repos. Du genre. Le repos. Echena. Entraîne la joie. Psaume 4, verset 7 à 9. Psaume chapitre 4, le verset 7 à 9. Balé, t'amène, choki puis, adre, yassie kelia. Ya. Amegedewa le boglombe. Ameka anamia ponu y clon cou. Ya. Oh, Yehoa. Oh, Yehoa. Now on coume na. Now, one come, Kelly, not a demiagi. A deji John, Yajime, who wore a yee, seem a bleak, blown well body or see. People are sick, Kelia. Mamma and Yele Chifa family. I don't allow any market. I'm a cadole brother. Alors, beaucoup se demandent. Gakame, voilà, now. Quand est-ce que Dieu te donnera le repos? Oh, Dieu te donnera le secours. Mais l'Éternel dit, il te donnera le secours. Il te délivrera. Et même ton sommeil sera en paix. Tu te coucheras dans le repos. Tu ne te coucheras pas avec amertume. Je déclare. Alors, ceux qui trouvent que Dieu ne te donne pas le secours dans ce mois, que le Seigneur étende sa main dans ta vie et qu'il te secoue promptement. Fire! Esaïe 35, verset 10. Esaïe 35, le verset 10. Kabalaba Shotaha. Esaïe Pag dans les tablats, ton voix, ton, puis puis au Wolia. Ya. Yehoa va à Messi, vous vous hopple là. À trois agbo. Et Yehoa va zion. Play assez et chocho. Ya. Et y'a dit John Mavo, à nos voix tamé. Ya. Vivi, c'est ce que le Dijon a su aussi. Ya. Fire. Fire. Je déclare encore dans ta vie que cette parole t'affecte. L'amertume et l'affliction. Alors que le Saint-Esprit laisse essuie. Alors reçois la joie. Alors je suis l'amertume et les douleurs. Esaïe 51, le verset 3 redit, réitère encore cette parole. Mais nous n'allons pas lire cela. Esaïe 61, verset 3. Esaïe 61, le verset 3. Nous lisons ce verset. Yeah. Nemata avona zion ekoni fan lawo ya mana achododo wode chowote pe eh jijomi de koni fafate pe jijomi de koni fafate pe achobode gbogbo achobode gbogbo sinu chikona te pe ya eye wa yo wo be jojo anyenye pe logo chiwo ya Yehowa pe achibo siwo be ya cho adegugu edokun ya amen bro amen Amen. Nyachia.
Alors que je déclare qu'avant qu'on le termine, amen, que le Seigneur répande l'huile de joie sur ta tête à la place des lamentations. Amen. Que l'huile ou l'onction d'amertume, de lamentation disparaisse de ta vie. Que le Seigneur t'applique l'onction de joie. Que le Seigneur t'applique l'onction de joie. Que le Seigneur vous applique l'onction de joie. Donne-moi le meilleur de tes amens. Psaume 36, verset 9. Psaume chapitre 36, le verset 9. Yeah. Thank you, Jesus. Yes, Lord. Yeah. Amen. Tu as la source de la vie. Je déclare dans ta vie que l'Éternel te donne le repos. Et dans le repos, alors qu'il te donne la joie et qu'il ajoute à cela la douceur, le bonheur, que le Seigneur t'ajoute la douceur, que le Seigneur te donne la vie, que la vie rentre dans vos finances, parce que la vie provient de lui, que l'Éternel vivifie vos finances, que ton travail soit vivifié. Donne-moi le meilleur de tes amens. Nani, hallelujah. Nukae chona jijo popo penuti fafa nula mia pagbeme. Alors, qu'est-ce qui interrompt la joie et le repos dans notre vie? Alors, qu'est-ce qui estompe la joie et le repos dans notre vie? Hallelujah. Alors, lorsqu'il n'y a pas l'évolution de nos travaux, de nos activités professionnelles, lorsqu'il n'y a point d'avancement, d'évolution, lorsqu'il n'y a que la faillite ou l'endettement, et les produits agricoles n'ont pas germé, et tout est confondu, alors cela éteint la joie et le repos. Lorsqu'il y a la crise financière, alors cela éteint la joie et le repos. Lorsqu'il y a la famine, la disette, lorsque le travail devient, ou bien l'obtention du travail devient un problème, lorsque l'investissement n'a pas de profit ou d'intérêt, alors cela étouffe ou éteint le repos. Donne-moi le meilleur de tes amens. Alors, ce sont les choses qui étouffent et éteignent la joie. Alors, cela éteint également le repos de Dieu dans notre vie. Lorsque les activités professionnelles n'avancent pas et il n'y a aucune odeur de bénédiction, et cela extermine ou efface ou essuie la joie qui doit découler de notre travail. Alors qu'allons-nous faire?
pour que le Seigneur nous délivre. Nous devons chercher la face de Dieu par le jeûne. Par le jeûne. Bible a donc dit, et on est capable de Alors cela empêche l'obtention ou bien l'énumération des sacrifices sur l'autel. C'est pourquoi l'église ou l'assemblée doit publier un jeûne ou rentrer dans un jeûne. Pour que le repos qui est manquant dans l'église, le repos qui ne se fait plus voir, que l'Éternel vivifie l'assemblée avec ce repos. Et cela à travers le jeûne. Et cela s'obtient, ou le repos s'obtient à travers le jeûne, les lamentations, les supplications à l'Éternel. Joël chapitre 1, le verset 9 à 16. D'accord. Et Tagba, tu as pu assurer qu'il y a. Nous devons ça, nous non devons ça, nous chole Yehova pour me. Ya. Nous non là si vous souhaitez Yehova là, le connu femme. Le connu femme. Pas son grand la va connu. Puis puis il y a. Agble zubegbe. Agble esubegbe. Agble kuchole le payamene. Aye anigba le nous ham. Anigba le hanu. Elle a ben abligble. Abligble amo pabli, abli afi alo kotro ngre. Kale pabo vi. Aha ye ye no via via. Aha. Eye ami fu pa klak klak. Ya. Pipi vie de kel ya. Aha. Nukbele agble de la o. Nukbele agble de la o. Nukbele businessmen o. Business women o. Asisala o. Nukbele o olabe. O chokate mrakia. E kame revi devant. Asema revi devant. Nukbele o le. Fi otokale. Et ils ont trouvé la honte, les hommes d'affaires, les investisseurs ont trouvé la honte parce qu'ils ont investi et n'ont pas eu retour sur investissement, mais plutôt la faillite. Christ, ton cœur est vivial, et beaucoup de chrétiens sont dans la honte de l'endettement. Le Seigneur doit nous délivrer. Alors nous sommes d'accord de faire ce que le Seigneur veut. Mais il est aussi capable de nous délivrer. Il n'y a plus de profit, il n'y a plus d'intérêt. Tu n'es pas un paresseux, tu fais tout ton possible, mais rien. Et cela retire le repos et la joie. Amen. Alors la joie a disparu dans la vie des hommes. Alors qu'est-ce qui a cessé cette joie? Les activités ne prospèrent plus. Il dit, continue. Il dit. Minou non là-haut. Minou non là-haut. Mi bla Mi bla Nemia fakoni. Nemia fakoni a Mi voisin n'est plus là, sous bon là-haut. Mi fa avi. Mi fa avi. Mi va nyatia pa nyame. Mi va nyatia pa nyame ado. Mi nye mau sous bon là-haut. Nye mau sous bon là-haut. Et la bena nous du voisin, ple nous nos voisin nous chole mi a mau feme. Mi don chichi do kokwe. Mi don chichi do kokwe na hamea. Eya mi degbe fa tak, begbe.
Amen. 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 Nous bénissons le Seigneur pour la vie de la lectrice. Bien-aimé, je vous en supplie. Dieu passera toujours par un homme. Dieu peut nous utiliser, Dieu peut utiliser n'importe qui. Et quand Dieu a prophétisé, et Dieu a donné l'oracle comme quoi beaucoup de personnes n'ont plus le repos. Et le Seigneur m'a confirmé cela avec ce verset. Que toute l'assemblée jeûne afin qu'il puisse rétablir vos finances pour que la joie et la paix s'introduisent de nouveau dans votre vie. Alors, le jeûne et la prière. Alors, nous devons crier à Dieu en ce moment de jeûne. Alors, je sais que je suis ton enfant. Je sais que je suis ton petit frère. Et je suis encore ton pasteur. Alors, crois que c'est le mandat que le Seigneur m'a confié pour vous. Alors, dans ce septième mois, alors nous faisons dans chaque mois 3 jours d'armée de midi. Alors, nous n'allons pas changer la date parce que nous n'avons plus d'autres jours. Alors, nous allons venir à l'armée de midi dans le jeûne. Alors, à 13h30, nous terminons. Le soir, nous revenons encore. Nous continuons le jeûne. Alors, à 16h, nous sommes là. Et à 17h, nous commençons la prédication. Et à 19h, nous terminons. Le lendemain. Les 3 jours, 6 séances. Alors, dans 3 jours, nous allons faire 6 cultes. C'est important. C'est important. De prendre part, de participer. Parce que c'est le Seigneur qui a parlé. Le Seigneur a parlé. Alors, nous n'avons pas assez de temps pour publier des jours nombreux. Dans ces 3 jours, alors nous allons venir 6 fois dans le jeûne. Vous devez écouter la voix de Dieu. Si vous voulez avoir la restauration de vos repos et avoir le repos dans vos activités professionnelles, nous devons entendre et obéir à la voix de Dieu afin que le Seigneur nous donne la victoire. Alors Samuel a dit à Saül que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Ne soyez pas des auditeurs oublieux mais des pratiquants de la parole bien-aimés. Alors, frères et sœurs, c'est l'oracle du Seigneur pour qu'on le fasse comme cela a été fait dans le livre de Joël. Nous devons jeûner pendant ces 3 jours. Et à la fin,
De chaque jour à 19h, tu peux rompre le jeûne. Le domaïta. À cause du service, nous n'allons pas demeurer dans le temple pendant ces 3 jours. Alors c'est l'idéal, mais nous ne pouvons pas le faire ainsi. Nous allons venir à ces 3 jours d'armée de midi et venir également dans la soirée. L'Esprit du Seigneur a confirmé que la personne ou bien l'assemblée n'a plus jeûné comme il se doit. C'est pourquoi le repos a cessé. Alors, quand le Seigneur m'a donné le message, l'apôtre a confirmé que pour eux, c'est 21 jours. Alors, dans d'autres congrégations nigérianes, ils ont publié, ou bien elles ont publié 70 jours de jeûne. Parce que c'est biblique de jeûner dans le 7e mois. Afin que le Seigneur nous donne la joie. Zacharie chapitre 8, le verset 19. Allez, Yehovah, Zebot blanc ici. Ya. Nous titillons les genoux et Nelia. Attends, Na Yuda fe afela. Na Yuda papa, na mata home, Yesu lagbe fe hamia. Alors les jours de jeûne apporteront la joie, le repos, l'allégresse pour l'assemblée qui est à Amada Home. Nyak mau nagbe tasia ko nyamaje comme vo aben nu oben nu ala onka ne blaliji ne fakoni fi me le via me pa dun deko mau dura onane. Alors, ceux qui sont concernés par le message, moi j'ai déjà commencé mon jeûne. Dieu doit faire quelque chose. Il n'y a aucun mouvement, aucune transaction bénéfique dans leur vie. Alors, si c'est l'Éternel qui a parlé, je dois commencer. Le 28 soit le 30 allô. Oui, le 28 au 30. Prépare-toi. Afin que la joie et le repos qui ont cessé dans l'assemblée, nous allons pleurer à l'Éternel. Afin qu'il guérisse nos activités. Afin qu'il vivifie nos finances. Pour que la joie, la paix. Et la paix, la joie. Alors possède la joie. Il a dit dans sa parole. Alors je vous laisse ma paix. Ce n'est pas la paix que le monde donne. C'est nous qui devons chercher Dieu. Afin de demeurer dans sa paix. Alors la Bible déclare. Alors je n'ai pas un projet de malheur contre vous. Mais un plan de paix. Afin de vous donner une bonne fin. Une bonne espérance. Alors couvrons-nous de sacs. Dans ces jours. Ceux qui sont libres. Alors toi-même, tu peux venir depuis la matinée dans le temple. Alors tu peux venir au temple et repartir après les 2 cultes de la journée. Cela concerne ceux qui sont libres, indépendants.
ceux qui ont des oreilles entendent ce que l'Esprit du Seigneur a dit, afin qu'une joie inédite renaisse dans l'Assemblée. 2021, pour terminer l'année 2021 avec cela. Que le ciel vous bénisse. Et qu'il vous accorde sa victoire. Pour que dans cette obéissance. Et dans ce. Dans ces trois jours de jeûne du 28 au 30. Que le ciel pousse l'allégresse dans ta vie. Que l'allégresse pousse dans ta vie. Que la joie soit mentionnée. Que de beaux jours soient mentionnés. Au nom de Jésus. Je déclare dans ta vie. Que si tu as entendu la voix de Dieu. Et tu es rentré dans ce jeûne. Quel que soit comment les choses sont difficiles. Que l'Éternel intervienne. Ils disent. Je serai devant toi. Alors j'aplanirai les montagnes. Alors que le Seigneur accorde la victoire à un homme et à une femme. Au nom de Jésus. Alors vous qui aviez déjà décidé de venir à l'armée de midi et revenir dans la soirée, vous qui aviez décidé qu'après le travail ou le marché vous puissiez passer dans le temple afin qu'on puisse être dans l'alliance, je déclare que le jeûne ne terminera pas avant que le Seigneur te donne la victoire. Le jeûne ne terminera pas avant que le Seigneur te donne la victoire. La joie arrive. Une grande joie arrive. Une grande joie arrive. Alors, à partir de maintenant, je déclare. Alors, tu prospéreras encore. Que le ciel vous bénisse. Et qu'il vous accorde la victoire. Afin que vous puissiez vous relever dans ce jeûne.